mon sac, le violon, la guitare, une nuit, le trac et la force d'un regard. Je vais bien trouver la route de l'hôtel vers le lendemain. En train d'écouter De Gaulle sur Radio Londres. Les pommes de terre sont épluchées. Je répète, les pommes. Mais qu'est-ce que c'est que ce charabia? Qu'est-ce que c'est que ces messages? Qu'est-ce qu'ils foutent à Londres? Ils débarquent ou quoi? Navés sont bien lavés. Je répète les... Mais qu'est-ce qu'ils foutent? On tiendra pas le coup. Ils débarquent ou quoi? Les oignons sont émincés. Mais qu'est-ce que tu glandes, De Gaulle? Attends, j'ai compris le message. Il est en train de faire un pot-au-feu. S'inviter du regard, une plume sûre, une simple promesse. Une peur s'éteint quand il se fait tard. Une image se courbe sur le coin de tes fesses. Une femme glisse du côté de l'ivresse belle, celle que tu n'attendais plus. Emmêle ses cheveux au tien, se dresse tes perles de joie sur les corps nus.
seul comme je suis, quand tu me vois, comme à chaque fois, quand je me fais une juste pour toi, oh pour toi. Une vie à tout recommencer, une pluie fine se mêle au fort. L'attachement qu'elle procure, comme au cœur d'une vague creuse, un sentiment de liberté me rassure. Il faut tendre l'oreille pour entendre, lever les yeux pour voir s'étendre l'océan. Bon, le voyage continue. Vous savez ce que ça coûte de faire 800 km en bus sur les routes d'Amérique du Sud? Il me dit, la vie là est ainsi. La vie elle est comme ça, ils le disent souvent d'ailleurs. Aïe, quel luchal. Il faut lutter.